Et bonsoir les gens, c'est Willy, on se trouve pour l'épisode 11 de Pokémon Diamant. Dans l'épisode 10, on s'était laissé dans la ville de Bonville, qui est une petite ville de transition en fait. Ce n'est pas une grande ville comme Unionpolis ou Vestigion ou autre. C'est vraiment une petite ville, toute droite comme ça, qui est entre deux chemins. Et dans celle-ci, il y avait des ruines, qui s'appelaient les ruines Arby, donc, dans laquelle on a découvert une petite énigme, et qu'on a pu récupérer quelques objets. On a aussi entré dans la tour Pokémon, qui est une sorte de... comme une tour de l'avant-ville dans les anciennes versions de Pokémon, où comme dans chaque version de Pokémon, si je dis pas de bêtises, il y a une tour un peu cimetière pour Pokémon. Et du coup là, on va continuer le chemin pour aller à Voilerock. Du coup c'est parti. J'ai oublié de mettre le timer. Oh, nouvelle musique. Les Pokémon se sont durcis en travaillant à la ferme. Je suis vraiment fier d'eux, Pardi. Le fermier Anton. Oh, un Capuman. Je sais pas si on peut en récupérer dans cette version, mais j'aime beaucoup les Capumans, c'est un de mes Pokémon préférés. Ça serait cool qu'un jour on en ait un. Donc, il est assez rapide. Ah oui. Oh ça va. Il est facile et en plus mon attaque augmente. Enfin une attaque... Je crois que le facile c'est notre attaque la plus puissante. Hein. On va tenter une écume. Ah. Ok. J'avais oublié. Je savais pas qu'ils savaient faire ça comme attaque, Capuman. Bon, ça va, on fait du dégât. On va attaquer pic-pic. C'est quoi ça? D'accord, ça fait rien comme attaque. C'est bizarre. Facier. J'avais oublié que ça existait quand même un Girafarig. Je savais pas que ça existait comme Pokémon. Enfin, j'avais oublié. Je m'en rappelle. Là, je m'en rappelle. Je crois qu'il y en a vers. Voilà, Rock, un truc comme ça. Je crois qu'il y en a, mais. J'avais oublié que ça existait ce Pokémon. En même temps, il y en a tellement maintenant. Il y en a. Je crois qu'on est à 800 Pokémon maintenant. Et sur cette version-là, il y en a 493. Si je dis pas de bêtises. Oh, Bulldo. On va changer la place de patience parce que patience je m'en sers jamais. Psycho-quack. On va prendre Luxio. Bon, ça a pris un petit pot, donc une attaque électrique, ça va le mettre KO en un coup, sûrement. C'est bon. Ah, il remet son cap humain, donc on va remettre... On va remettre la poraille. Pour changer. En plus, il commence à être assez intéressant comme Pokémon. J'aime beaucoup la poraille. D'ailleurs, faudrait. Je crois qu'il y a un personnage qui permet. Enfin, il y a un petit. Il y a un PNJ qui permet de voir. Si notre Pokémon nous aime ou quoi. Donc, ça pourrait nous être utile parce que la poraille évolue avec le bonheur. En gros, s'il nous aime au maximum et qu'il prend un niveau, il évoluera. Et j'espère que ça arrivera avant qu'on soit. À la fin du jeu. Ah.
Ponyta. Mais on va pas l'attraper. Alors, on va voir si Bulldo s'est fait le taf. Ok. D'accord. Ah, il y a pas mal de dresseurs ici, hein. On y repassera si on a besoin de s'entraîner. Mohoho, je vais te montrer comment on s'entend bien avec ma fille. Je peux me tourner les pouces quand Pokémon est de sortie. Un combat est lancé par Fip et père Ava et Matt. Moufouette et Chaglam. Alors, oups. On va faire une attaque. Non, on va faire une attaque. Griffacier sur Chaglam. Une attaque cruelle sur Moufouette. C'est assez efficace. C'est puissant toxique en vrai. Ça empoisonne Pokémon en fait et je crois qu'on perd de plus en plus de PV à chaque tour. Bon, ça va là, il est encore assez puissant. On va faire une attaque Bulldo. Et on va refaire une cruelle. En espérant que ça le met KO. Ah non, il reste un PV. D'accord. Peut-être après ce combat, je vais peut-être soigner mes Pokémon vite fait. Histoire de... d'être prêt, parce que je crois que sur la route qu'on va prendre, il y aura beaucoup de dresseurs. On va éviter de commencer avec des Pokémon bien blessés. Pic-pic, mais voilà, on va gagner. Voilà. La force de notre lien filial n'a pas suffi pour remporter la victoire. Oh, zut de flûte. Bon, je vais soigner vite fait mes Pokémon. D'ailleurs, j'ai pas regardé si j'avais des potions. Enfin, si j'avais beaucoup de potions. Non, mauvais bouton. Sac. Ça va. On a 7 super potions, ça devrait faire l'affaire. Et puis même, j'ai pas mal d'argent, donc je pourrais m'en racheter plus tard, si besoin. Ah, c'est une dresseuse elle. Je crois que c'était un perso comme ça. Je débute tout. Je débute tout juste en élevage, mais je ferai de mon mieux. Éleveuse Eulalie. Ah, j'aurais dû prendre la poreille. Bon, griffe acier. Ça fait mal.
j'aurais cru que j'allais le mettre assez bas, mais pas non plus KO. Change de Pokémon, on va prendre mon Lapourail. Qui est sauté. Bon, son équipe a pas l'air très puissante. Petit ravi. C'est pas mettre qu'il y aura encore un coup de pied sauté, c'est bon. C'est bon. Oh, mais ça donne beaucoup d'XP hein. C'est quoi ça? Café cabane, il est fraîchement tiré. Et il y a des Pokémon là-bas, ok. Bien le bonjour Globetrotter. Certains de nos clients sont des rustres qui ne pensent qu'à combattre. N'y prête pas attention, tu peux rester ici autant que tu voudras. On a que du lumineux. Allez. Ah, c'est une dresseuse, mais je sais pas, j'ai vu que c'était une autre serveuse qui avait mis un truc, mais bon. Serveuse Cathy. Bon, avec un Pokémon, donc c'est bon. Et j'ai encore oublié de mettre Lapourail en première de ma team. En première de ma team. Bon. Comme tout à l'heure, hein. D'accord. Ah mince. On va changer de Pokémon du coup parce que... Vu qu'il est amoureux... On va prendre Lapourail. Au moins il sera... prend plus le level up et Lapourail sera quasiment au niveau 25. J'aurais dû prendre une femelle en Lapourail. Ça aurait été plus utile pour les Pokémon comme ça qui rendent amoureux. Oh là là. Mais non. En plus, il est les putes. Je crois l'effet genre amoureux, je crois on peut pas, il disparaît pas en combat. Ah c'est bon, il attaque. Quoi? Ça met pas KO? Sérieux? Vas-y. Non! C'est bon. Quoi? Putain. Ok, on va changer de Pokémon, sinon on va pas pouvoir s'en sortir. Mais c'est quoi ce mélo fait de mort? Allez, tour vol. D'accord. Mais non. Voilà. Oh, ce Pokémon quoi. On va les guérir. Oh, 100 PV, c'est intéressant ça.
coup, quel Pokémon va mettre en premier? Luxio. Du coup, pourquoi il y a des Pokémon ici? Les psychopathes, bon, ils n'ont pas l'intention de bouger d'un pouce. D'accord. Ah, peut-être c'est une zone qu'on découvrira plus tard. Celestia Bonville, ok. Il pleut. Un doux parfum se flotte dans l'air. Est-elle du miel sur l'arbre? Non. Bon, premier dresseur. Je suis un chasseur de trésors. Et ma victoire contre toi sera mon butin du jour. Ok. Rune maniaque nectaire. Comment ça peut voir? Je crois que quand il pleut, les attaques de type O, elles sont plus puissantes. Mais je suis pas complètement sûr. Ouf, ça fait très mal ça. Et en plus il est paralysé, c'est génial. Qui nous rend confus. Charge. Allez. Non, mais sérieux. S'il se blesse pas, on peut gagner. Ouais, c'est bon. La pluie continue de tomber. Dinoclier, c'est quoi ça? Je vais mettre Pantlouf vu qu'il a la pluie, il va être un peu plus puissant. Mais c'est quoi? Ah oui! Ça fait longtemps lui. Je m'en rappelais plus. Je sais même pas si on peut. C'est pas un fossile ou un truc comme ça pour le Pokémon. Genre il faut avoir un fossile du Pokémon pour le choper. Je me rappelle plus. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Comme le Pokémon du champion là, Pyrrhic. Je ne peux pas te battre, je vous montre coriace. Ok. Un petit coup de potion. De l'huile. Œil pour œil, dent pour dent. Ouais, c'est représailles. C'est pratique pour les Pokémon, mais si on faisait pareil dans la vie, les guerres n'auraient pas de fin. Imagine une catastrophe. Utilise cette capacité après une attaque pour doubler sa puissance. C'est intéressant, faudrait voir si on a un Pokémon un peu lent qui pourrait la prendre. Admire le tranchant de mon Pokémon. Karateka Guillaume. Oh! Je me rappelle, je le kiffais ça. Pokémon, enfin son évolution, je l'aimais beaucoup. Ah, si on peut en avoir un. Putain, je veux trop de Pokémon en fait, je sais pas quoi choisir, c'est trop ouf. Ouais, bah lui il est type combat donc je peux rien faire. On va prendre. Un pouf.
Et je crois que je peux pas être d'attaque de type haut si je me rappelle bien. Il a un talent ou une capacité spéciale, comme vous voulez. Qu'en gros, quand j'attaque avec une attaque de type haut, je crois que ça lui fait rien. Ou sinon, ça lui augmente ses PV. Je sais plus du tout. C'est un truc genre peau sèche, un truc comme ça, l'attaque, sa capacité. Et franchement, je veux un crâne de peau, c'est trop stylé. Je sais pas où je peux en choper un, mais si je peux en choper un, je le prends. Bon, normalement je suis un peu plus rapide que lui, donc merde. Putain, il a mis KO dans le pouf. On va être en vol. Cruel. Ok. On l'a battu. Je pense que je vais aller soigner mon Printemps. Ok, non. Pour l'instant, on va continuer. C'est quoi là-haut? Y'a rien. Ah. Encore un Ponyta. Morsure. De toute façon, là, on n'a pas. Techniquement, il a pas de. Il est pas faible contre moi et moi, je suis pas faible contre lui, donc ça devrait être plutôt simple le combat. Étincelle. Par contre, s'il passe mon attaque, ça va pas le faire. Allez, on y est presque. Encore une ou deux attaques et il est fini. Ok. C'est bon. J'ai cru que Lucio allait tomber KO aussi. J'étais pas bien. Alors, est-ce qu'il va level up? Oui. Total soin. Ok. Non. J'en veux pas. Oh! Ouais, mais j'en veux pas quand même. Quoique. Non, non, c'est bon. Ah, un dernier combat double? Je ne refuse jamais un combat. C'est comme ça que je m'améliore. Passer le défi de la reine de Volaroc, mais avant cela quoi. Oh, les top dresseurs, c'est vieux ça. Champion feu et Chaglam. Pourquoi mon Printemps fait KO? Ça m'aurait totalement utile pour Champion feu. Bon, c'est niveau 23, ça devrait le faire.
plus. En plus, je les intimide. Donc, on va faire morsure. Je pense qu'on va en focus 1. Morsure sur champ en feu et cruel sur champ en feu. Parce que pour moi, c'est le plus important. La preuve. Ouf, il a tenu. C'est bon. C'était le moins dangereux. C'était le plus dangereux parmi... parce qu'un chaglam, c'est sympa, mais bon... Je trouve que ça fait pas grand-chose. En plus, c'est un type normal, donc on s'en fout. Alors que là, j'ai pas fait des types feu et combat. Et mes deux Pokémon n'aiment pas trop le type combat. Donc, heureusement qu'il est KO. Ah. Ça va, il y a plus chaglam, c'est bon. Quoi ? Pardon ? On est un peu dans la merde. Quoique non, c'est un type eau, donc un type électrique, c'est dans le macao. Alors, étincelle. Et toi, tu vas faire cruel sur Léviator. Oh là là. Ok, il faut absolument abattre le Léviator. C'est bon. Il fait mal. Il m'a mis moins de la moitié de ma vie. Enfin, plus de la moitié de ma vie, il me l'a enlevé. Bah, morsure et cruel. Ça va, ils tiennent normalement. En plus, je crois qu'elle a un autre Pokémon, elle. Donc. J'espère qu'il sera pas. Ce sera pas un autre Léviator, sinon là on est un peu foutu. Allez. Mais non, mais il fait dormir, sérieusement. C'est quoi ce flemmard? Ça va, ça me fait rien. Bon là normalement au prochain tour là Trouval se réveille. D'accord. Mais il est sérieux? Ça fait 4 ou 5 tours là qu'il dort. What the fuck? Kadabra, c'est un Pokémon psy ça, donc ça pourrait aller. J'ai envie de t'annuler. Ah enfin, il se réveille. Mince. Bon, la Pora il fait une attaque frustration. Donc non, une double vive attaque, ça devrait être fini. Ouais, c'est bon. C'était quoi ces deux derniers mecs là? Les mecs, c'est des boss final. Genre, à la fin, t'as plus beaucoup de Pokémon et paf, t'as deux gros dresseurs de ouf.
Bon, normalement c'est fini ça, non? Après... Oh, de nouvelles baies. Voilà. Allez, on est arrivé. On va pouvoir soigner, enfin. On est à Voile Rock. C'est pas la musique. Un truc un peu tranquille. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux ? Hangar Galaxy, devant cette entrée. Hey, toi ! Ouais, toi ! C'est le hangar de la Team Galaxy, pas un terrain de jeu pour gamins. C'est le méga hangar de la méga Team Galaxy. Les ministres de ton genre feraient mieux d'aller jouer dans une arène. Après tout, le champion n'est encore qu'un bébé, tout comme toi. Ok, il dit la même chose. Une piège. Il y a un truc là ? Non. Bah du coup, je vais aller au centre Pokémon et on va se laisser là. Ben, sur ce, on va se laisser là. Dans le prochain épisode, je pense qu'on va aller combattre la championne de l'arène. Je vais peut-être entraîner un peu mes Pokémon pour qu'ils soient... Bon, niveau 29, niveau 20, 29, ouais. Un petit niveau 29-30. Donc, on va se laisser là pour l'instant, et dans le prochain épisode on va aller se battre contre Champion de Voile Rock. Je vais faire entre les deux épisodes, je vais m'entraîner, vous voyez. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à mettre un like, à regarder mes autres let's play si ça vous intéresse. Et sur ce, on se revoit pour le prochain épisode. Allez, à plus.